Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier LJJ. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel après plusieurs semaines d'absence sur la chaîne. Vous m'avez tellement manqué, ça fait plus de 5 semaines que je n'ai pas proposé de tutoriel. C'était pas des vacances, des engagements familiaux, aussi une grosse grippe qui veut pas partir. Donc je veux vous demander tout au long du tutoriel de m'excuser pour ma voix. Ça veut pas partir, ça, donc j'essaie tous les remèdes possibles, mais elle est là, puis je dois vivre avec un petit moment. On est de retour et on va proposer plusieurs modèles les jours qui suivent, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous allez toujours être au courant des nouveautés qui sont mises en ligne. Et comme vous voyez aujourd'hui, on revient avec un tutoriel pour le crochet tunisien, un joli modèle de poncho ouvert ou de gilet ouvert selon votre goût. Comme je vais vous expliquer dans le tutoriel, il suffit juste d'adapter les mesures pour transformer ce gilet en poncho, dépendamment de vos goûts. Donc ici, j'ai le petit modèle, un modèle miniature que j'ai fait pour le tutoriel. Mais je vais vous expliquer comment prendre les mesures, comment les adapter à toutes les tailles que vous désirez faire. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais tout d'abord vous présenter le matériel, les différentes étapes à faire. Puis, on commence le tutoriel ensemble. Très content de vous retrouver et on commence tout de suite. Alors pour commencer votre projet, vous devez tout d'abord choisir la laine. Vous pouvez choisir la grosseur que vous désirez selon vos goûts, la marque qui est disponible chez vous. L'important, c'est d'adapter le numéro de crochet au type de laine que vous avez choisi. Alors de ma part, pour le tutoriel, j'ai travaillé avec une laine de grosseur 3 qu'on crochète généralement avec un 5 mm. Juste pour vous donner une idée, les pelotes que j'utilise 150 grammes, 540 mètres. Donc, généralement, pour réaliser une taille adulte pour un poncho, j'utilise deux pelotes comme celle-ci. Donc, juste pour vous donner une idée. Vous aurez besoin, bien sûr, d'un crochet tunisien. Alors, moi, j'ai travaillé avec un crochet tunisien 5 mm, la même grosseur suggérée sur ma pelote. Et vous aurez aussi besoin de crochets classiques. Le premier pour réaliser la bande, donc 3.5, j'ai pris un crochet plus petit pour avoir une bande plus élastique et des mailles plus serrées. Donc 3.5, 5 pour le crochet tunisien et j'ai réduit pour 3.5 pour la bande. Pour le col, pour celles qui veulent le réaliser, j'ai pris un 4.5. Pour réaliser le col, c'est un col qui s'étire, donc je voulais réaliser des mailles un peu serrées mais qui s'étirent, qui sont plus élastiques. Donc j'ai choisi un 4.5 pour travailler le col. Vous allez bien sûr, comme j'ai dit, adapter le numéro de crochet selon la laine que vous avez choisi, prendre le crochet tunisien qui correspond le mieux à votre grosseur de laine, puis réduire pour avoir le petit crochet pour la bande et le crochet pour votre col si vous voulez le réaliser. Alors vous aurez aussi besoin de quelques marqueurs ou épingles pour vous aider à mieux réaliser votre motif et au choix des boutons si vous voulez ajouter des boutons sur les côtés comme on va le voir plus tard sur le tutoriel. Alors c'est tout ce qu'il nous faut pour commencer et on va commencer les explications tout de suite. Alors comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire pour ce type de projet, je vais prendre quelques minutes avant de commencer pour vous expliquer noir sur blanc comment va se dérouler le projet. Alors première chose à retenir, c'est qu'on va réaliser deux rectangles avec les mêmes dimensions. Un rectangle du devant où on va tracer le motif, où on va crocheter le motif, puis le rectangle du dos qui va être un rectangle plus simple. Alors les deux rectangles, on va les commencer avec une bande qui va prendre toute la largeur de notre rectangle. Et une fois qu'on a terminé la bande, on va monter en hauteur. Alors la première chose qu'il vous faut, c'est de déterminer les mesures que vous voulez travailler selon la taille que vous avez choisie. Alors vous pouvez réaliser le modèle ou bien en gilet ou en poncho plus large. Si vous voulez le réaliser en gilet, la première mesure à prendre, c'est la largeur du dos, donc épaule à épaule. Puis vous ajoutez quelques centimètres de chaque côté pour que le gilet ne soit pas trop serré. Donc généralement, on ajoute de 5 à 10 cm de chaque côté selon la manière dont vous voulez le porter. Si vous voulez faire un poncho, vous allez bien sûr mesurer plus large. Le poncho descend généralement jusqu'à la moitié du bras ou jusqu'au coude. Donc vous prenez toute la mesure du point que vous voulez, donc la moitié du bras ou le coude, jusqu'à l'autre point sur l'autre côté.
La mesure que vous allez prendre va déterminer la largeur de votre rectangle. Donc, c'est en fait la largeur de la longueur de la bande qu'on va faire ensemble et qui va constituer la largeur de notre rectangle. Et pour la hauteur, donc vous mesurez à partir de votre épaule jusqu'à la longueur que vous voulez. Si vous allez faire un gilet, ça va généralement descendre jusqu'au début de la taille. Si vous voulez faire un poncho, c'est généralement plus long. Donc, vous allez descendre jusqu'à la hauteur que vous voulez et ça va déterminer donc la hauteur de votre rectangle. Une fois qu'on a terminé les deux rectangles, on va coudre au niveau des épaules et on va faire le col pour celles qui veulent l'ajouter. Donc, vous pouvez aussi garder le poncho ou le gilet sans col. On va commencer donc, comme j'ai dit, à travailler les deux rectangles une fois que vous avez eu vos mesures. J'ai tracé ces petites bandes comme vous voyez, donc je vous ai dit qu'on va commencer par les bandes. Pour chaque rectangle, on va faire une bande élastique qu'on va expliquer, qui va être à la largeur que vous avez calculée. Et par la suite, on va monter rangée après rangée jusqu'à ce qu'on arrive à la longueur que vous avez mesurée. Alors, on va commencer dans un premier temps par faire le rectangle du devant, où on va avoir le motif, la torsade qu'on va avoir devant. Puis par la suite, on va expliquer le rectangle du dos et les différentes étapes aussi à suivre pour obtenir le gilet ou le poncho selon votre choix. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, comme j'ai expliqué, on va commencer d'abord par travailler une bande qui va être en bas de chaque rectangle. Donc, je vais vous montrer le rectangle que j'ai déjà réalisé. Donc, on va commencer par cette petite bande ici qui va être en bas et on va la travailler avec un crochet classique 3,5 pour moi. Donc, ça va dépendre du type de laine que vous avez choisi. Donc, adaptez le numéro de crochet à votre laine. Donc, la laine, moi, que j'ai choisie, comme j'ai présenté au début, c'est une laine que je peux travailler avec 4 ou 5 mm. Donc, je vais choisir un crochet un petit peu plus petit que ce qui est recommandé pour ce type de laine pour avoir une bande plus serrée. Et des mailles donc plus fermes. Je vais donc prendre mon crochet. Je commence par faire ma boucle de départ et je vais monter avec 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Pour la première rangée, je vais aller dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Donc, j'ai la première ici en bas, la deuxième, je pique, je tire et je fais une maille serrée. Maille suivante, une autre maille serrée. Et je vais faire donc une maille serrée dans chacune des mailles de ma chaînette. Je vais avoir à la fin un total de 10 mailles. Maille suivante, je pique, je tire et je fais ma maille serrée. Et je continue ainsi jusqu'à la dernière maille. Alors, une fois que j'ai terminé ma première rangée, tout ce que je vais travailler par la suite, ça serait la répétition d'une seule rangée qu'on va répéter jusqu'à ce que notre bande sera égale à la largeur qu'on désire avoir pour notre gilet ou poncho. Alors, je monte avec une maille en l'air, je tourne, je vais faire aussi une rangée de mailles serrées. Toutefois, au lieu de faire une maille classique, donc en piquant sous les deux bras, je vais piquer uniquement sous le bras arrière de la maille. Donc, je prends uniquement le bras arrière, je tire et je fais une maille serrée. Maille suivante, je pique sous le bras arrière, je tire, je fais une maille serrée. Et ainsi de suite, donc dans chaque maille, je vais piquer sous la maille, sous le bras arrière et je fais une maille serrée. Donc, j'aurai toujours 10 mailles serrées pour chaque rangée. Et comme j'ai expliqué, ce que je suis en train de faire, donc la rangée que je suis en train de terminer, ça va être la rangée que je vais répéter tout au long de ma bande. Et je vais faire la même chose lorsque je vais commencer aussi le rectangle suivant. Alors, une maille en l'air, je tourne. Alors, ce que je vais vous expliquer en premier, c'est le rectangle qui va être devant. Donc, avec le motif, par la suite, ce qu'on va répéter, ça va être pour le rectangle du dos. Donc, toujours une maille en l'air, puis je commence
à piquer sous le bras arrière, je tire et je fais une maille serrée. Bras arrière, je tire, je fais une maille serrée. Bras arrière, et ainsi de suite. Alors lorsque je termine ma rangée, je fais une maille en l'air et je repars avec la même rangée, une maille serrée dans chacune des mailles, travaillée uniquement sous le bras arrière. Et cette méthode, donc en travaillant uniquement sur le bras arrière, ça va nous donner ce résultat. Donc une bande élastique, travaillée, une rangée à la fois. Alors je vais continuer pour mon échantillon. Lorsque je vais arriver à une longueur qui va me permettre de vous expliquer le motif, je vous retrouve pour commencer à travailler la hauteur du rectangle. Donc vous continuez bien sûr votre travail, le travail de votre bande jusqu'à ce qu'elle soit égale à la mesure ou ce soit égale aux mesures que vous avez prises. Donc au niveau de la largeur, c'est ça, la largeur de votre rectangle. Donc vous continuez jusqu'à ce que vous atteigniez le nombre de centimètres que vous avez calculé et on se retrouve pour continuer le travail ensemble. Alors ici j'ai terminé ma bande, bien sûr ici j'ai fait un petit échantillon pour vous expliquer, vous aurez la bande qui correspond au nombre de centimètres que vous avez calculé selon la taille que vous travaillez. Alors il est temps maintenant de chercher votre crochet tunisien et je vais prendre la boucle, la dernière boucle sur la dernière rangée ici et je vais travailler une première rangée avec un point tunisien classique. Alors ici j'ai déjà une maille sur mon crochet, je vais aller sur la rangée, je vais piquer, je tire et je garde la maille. Je passe à la rangée suivante, je pique, je tire et je garde la maille. Le haut de la rangée d'après, je fais la même chose. Alors le crochet tunisien se travaille toujours en deux temps. Au début, on va chercher les boucles ou les mailles, puis on va faire un retour pour terminer la rangée. Et pour cette première étape, je vais prendre une boucle sur chaque rangée travaillée. Donc je pique à chaque fois en haut de la rangée et je tire. Je garde toujours les boucles sur mon crochet. Et je continue ainsi jusqu'à ce que j'arrive à la dernière rangée. Alors maintenant, une fois que vous avez toutes les mailles sur votre crochet, on va commencer l'étape du retour pour compléter notre première rangée. Au début, je fais un jeté et je passe à travers une seule boucle. Puis par la suite, je fais un jeté, je passe à travers deux boucles, 1 et 2. Jeté, je passe à travers deux boucles, 1, 2. Jeté, je passe à travers deux boucles. Et je vais continuer ainsi jusqu'à ce que j'arrive à la dernière boucle de la rangée. Donc je travaille un point classique du crochet tunisien. Ça va être une rangée de base. Et par la suite, la rangée d'après, je vais commencer à travailler mon motif. Alors je continue ainsi, jeter deux boucles. Jeter deux boucles jusqu'à ce que je termine toutes les boucles sur mon crochet. Alors j'ai terminé la première rangée comme vous voyez. Et j'ai placé aussi quelques marqueurs pour déterminer la place où je vais commencer le changement de mes points pour dessiner mon motif. Alors je vais vous expliquer maintenant comment placer aussi vos marqueurs, les calculs que vous devez faire. Je vais me servir de mon schéma puis du modèle que j'ai déjà crocheté. Alors voyez ici sur le haut, il y a un changement de point. Nous avons ici une bande au début avec un point différent, puis on enchaîne avec le point qui ressemble au point jersey du tricot, puis le motif avec la torsade et on reprend la même chose de l'autre côté. Alors on va commencer par déterminer le nombre de points pour la première bande. Alors j'ai fait la première bande ici sur 6 points. Donc vous comptez 6 barres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous placez votre marqueur sur la sixième. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez choisir de faire une bande plus large, mais je trouve que 6 points étaient corrects pour moi. Vous pouvez aller jusqu'à 10, ça ne dérange pas et vous allez par la suite adapter vos calculs pour le reste. Donc j'ai fait la même chose, j'ai calculé 6 et j'ai placé mon marqueur. Par la suite, j'ai calculé toutes les barres au milieu, donc entre les deux marqueurs ici.
Et je vais vous donner un exemple, donc comme ça on va faire les calculs ensemble. Supposons que vous avez 30. Juste pour supposer, vous en aurez bien sûr plus. Alors vous avez 30 entre le premier marqueur et le deuxième. Votre motif, la torsade, se travaille sur 14 points. Donc vous allez retrancher 14 points pour commencer. Ça vous fera 16 points, par exemple. Ces 16, vous allez les diviser sur 2. Ça vous donne 8. Alors, je prends 8 points ici et je place mon marqueur dans la 8e. Et je fais la même chose de l'autre côté. Bien sûr, vous aurez plus de... Le nombre sera plus grand pour vous. Je donne juste un exemple. Donc, c'est juste pour que vous fassiez les calculs. Vous commencez par placer les marqueurs de votre bande. Choisissez le nombre de points que vous voulez faire pour vos bandes sur les côtés. Placez-les, puis calculez le nombre de points au centre, retranchez les 14 mailles qui vont constituer votre torsade et le chiffre qui vous reste, vous le divisez en deux, c'est le chiffre que vous aurez sur les deux côtés, donc avant la torsade et après la torsade. Une fois que vous faites ces calculs, on peut placer les marqueurs et on commence à dessiner notre motif. Alors, je vais commencer maintenant à travailler la bande sur le côté. J'ai ici la boucle sur mon crochet qui compte déjà pour une première maille. Donc, la barre en bas du crochet, on ne la travaille pas. On va aller directement sur la barre à côté. Alors, dans le crochet tunisien, le point, il y a toujours deux barres. Une barre en haut et une barre en bas. Je vais toujours travailler, lorsque je serai sur la bande, sous la barre du haut. Donc, je vais toujours insérer mon crochet sous la barre du haut. Alors, le point que je vais travailler ici sur le côté, je vais prendre mon fil, il sera toujours devant. Donc, j'ai plus mon fil en arrière, il est toujours devant. Donc, le crochet, il sera toujours derrière mon fil. Je vais aller sous la barre du haut. Le fil, maintenant, il est en bas de ma boucle. Je le maintiens et je vais prendre le fil, je le tire à travers la maille et je garde la boucle. Je vais faire la même chose pour la maille suivante. Donc, je prends le fil toujours devant le crochet. Je vais piquer sous la barre. Le fil maintenant est sous le crochet. Je prends, je fais un jeté et je tire à travers la boucle. Le fil devant le crochet, je descends à la barre, je pique sous la barre. Le fil maintenant est sous mon crochet, je tire à travers la barre et je garde la boucle. Je fais la même chose pour la barre suivante, puis pour la sixième. Même chose, le fil devant, je pique sous la barre, je tire. Et là, j'ai terminé les six mailles de la barre sur le premier côté. Maintenant, entre la sixième maille, ici la dernière maille de votre barre, jusqu'au marqueur qui détermine le début de votre motif, on va travailler le point jersey. J'ai toujours les deux barres. Je vais maintenant piquer sous les deux barres. Mon fil maintenant est en arrière, donc je n'ai plus besoin du fil en avant. Je vais piquer entre les deux barres et je vais aller chercher mon fil en arrière. Donc je fais un jeté, je tire et je garde la boucle. Donc vous voyez ici, j'ai tiré entre les deux barres. Je fais la même chose de l'autre côté, de l'autre maille, pardon. Donc j'ai les deux barres ici, je pique et je vais tirer le fil à travers les deux barres. Et je vais continuer ainsi jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille. Où j'ai placé mon marqueur. Alors à partir de maintenant, je vais commencer à dessiner le motif qui va être au centre, donc la tresse ou la torsade, pardon. Alors pour la torsade, vous aurez besoin d'un crochet classique pour vous aider à croiser les mailles. On va le garder de côté. Et comme vous voyez, dans la torsade, il y a aussi trois étapes. 4 premiers points, la torsade, puis 4 autres points.
Les quatre premiers points ici et les quatre derniers points seront travaillés de la même manière que la bande. Donc, je vais prendre le fil devant. Je pique sous la barre et je tire. 1. Je fais maintenant la deuxième. La troisième. Et la quatrième. Maintenant, notre torsade, nous allons la travailler sur les 6 prochaines mailles. Alors, je commence par prendre 3 premières mailles. De la même manière que j'ai travaillé le point jersey, je vais piquer entre la barre du haut et la barre du bas. Donc, le fil est derrière. Je fais un jeté, je tire. Première maille, deuxième maille et troisième maille. Alors, maintenant, je vais prendre mon crochet classique. Et je vais récupérer ces 3 mailles. Donc, je mets les 3 mailles sur mon crochet et je retire le crochet tunisien, mais je garde les 3 mailles sur ce crochet ici en arrière. Je vais aller sur les 3 mailles suivantes. Je fais la même chose, je pique entre les 2 barres et je tire. 1, 2 et 3. Alors, j'ai ici 3 mailles sur mon crochet tunisien. Je vais aller récupérer maintenant les 3 mailles que j'ai gardées sur mon crochet classique. Donc, je vais croiser. Ils étaient, on va dire, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, le 1, 2, 3 va passer de l'autre côté. Donc, je vais tirer, récupérer les 3 boucles et je mets de côté mon crochet classique. Alors ici, j'ai croisé les mailles. Et pour les 4 qui restent ici avant d'arriver à mon marqueur, je vais les travailler de la même manière qu'ici. Donc, je ramène mon fil devant, je pique sous la barre, je tais et je tire. Première, deuxième, troisième et quatrième. Puis, les points qui suivent jusqu'à ce que j'arrive à mon prochain marqueur, je vais les travailler en point jersey, donc point normal. Je pique entre les 2 barres et je tire. Donc, mon fil est en arrière jusqu'à ce que j'arrive aux 6 dernières mailles ici que j'ai gardées pour la bande. Donc, les 6 derniers points, je vais les travailler de la même manière qu'ici. Je vais travailler 5 en ramenant mon fil devant. Puis la dernière, vous vous rappelez ici la première, il y avait déjà la boucle sur mon crochet. Donc ici aussi, je vais la travailler de la même manière. Je vais prendre le fil devant. Je tire, donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et la sixième, c'est la dernière. Donc, je vais pas prendre le fil derrière devant et je fais la même technique, mais je vais piquer sous les 2 bras à côté, donc sur le côté ici de ma maille. Donc, j'ai la maille, la barre ici, je pique sur les 2 bras à côté et je tire, donc pour garder un équilibre sur les côtés pour que ça soit bien droit. Pour le retour, je commence par faire un jeté, je passe à travers une maille. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Jeté, je passe à travers 2 boucles. Et je continue comme ça jusqu'à la fin de ma rangée. Faites attention lorsque vous arrivez à la torsade. On a croisé les mailles. Donc, il faut juste faire attention ici sur les mailles croisées. On va commencer par ces mailles là avant de terminer vers les 3 autres mailles de la torsade. Alors, je suis arrivée à la torsade ici, donc je vais tirer un petit peu les 3 mailles de chaque côté pour vous montrer. Alors, je commence par faire un jeté, je passe à travers la première boucle puis la deuxième boucle. Puis je fais la même chose pour la boucle suivante.
la boucle d'après. Quatrième, cinquième et sixième, puis je continue jusqu'à la fin de ma rangée. De la même manière, jeter, je passe à travers deux boucles, jeter, je passe à travers deux boucles. Jusqu'à ce que je termine ma rangée. Puis pour la rangée suivante, je vais reprendre de la même manière. Donc sur les 6 premières mailles, je vais travailler la bande, le point jersey, puis commencer mon motif. Alors comme j'ai dit, la première boucle ici, je la travaille pas, la première barre, je vais directement passer à la suivante. Donc ici, si vous avez toujours besoin de placer vos marqueurs, vous le faites, sinon vous allez vous référer toujours à la maille qui est en bas, donc vous allez la travailler de la même manière. Je ramène mon fil devant, j'insère mon crochet sous la barre, jeter, je tire mon fil devant, sous la barre toujours, et je tire. Et vous faites comme ça pour toutes les mailles de votre bande, dépendamment du nombre de mailles que vous avez choisi de faire. Lorsque vous arrivez au point jersey, vous continuez toujours à piquer entre les deux barres, à chercher votre fil qui sera en arrière et tirer. Et lorsqu'on arrive au motif, donc je travaille les 4 premières mailles en ramenant mon fil en avant. Je pique sous la barre du haut et je tire. Je fais 4 mailles de cette manière. Et lorsque j'arrive à la torsade, dans la première rangée de la torsade, j'ai croisé. Dans la deuxième rangée, je ne vais pas croiser, je vais travailler normalement. Donc je prends ici la première maille de la torsade. Je pique entre les deux barres. Ici, j'ai la barre du haut et la barre du bas. Donc je pique entre les barres et je tire. Je passe à la deuxième et je fais la même chose, je pique entre les barres et je tire. Maille suivante, même chose. Quatrième, cinquième et sixième. Alors je la travaille toute simple, j'ai pas de croisée à faire ici. La torsade en fait, ça va être toujours faite sur 3 rangées. Une rangée où on croise, puis 2 rangées où on travaille simple. Les 4 prochains points, on les travaille en ramenant notre fil devant. 2, 3 et 4. Puis on travaille le point jersey jusqu'à ce que j'arrive à la bande. Lorsque j'arrive à la bande, je travaille en ramenant mon fil en avant. Pour les 5 mailles, puis la sixième qui est la dernière, je vais piquer sous les deux brins sur le côté. La cinquième. Puis pour la sixième, la dernière ici, je pique sous les deux brins du côté et je tire. Puis je fais le retour. On commence par un jeté, je passe à travers une boucle, jeté, je passe à travers deux boucles, jeté, je passe à travers deux boucles, et ainsi de suite. Donc je continue jusqu'à la fin. Puis je reprends la même rangée. Donc je vais faire la même chose. Je travaille les 6 premières pour la bande, le point jersey et le point torsade, les 4 premières, comme ce que j'ai fait avec la même technique de la bande, donc en travaillant mon fil en avant. La torsade, je ne croise pas, je cherche tout simplement un point jersey sur les 6 mailles de la torsade et je continue ainsi jusqu'à la fin. Donc je vais terminer cette rangée et je vais faire la rangée suivante puisque c'est la même chose, c'est la répétition de celle-ci. Et on se retrouve pour commencer une nouvelle torsade. Donc comme j'ai dit, chaque torsade va être composée de 3 rangées. Une rangée où on croise, 2 rangées où on travaille simple,
une rangée en croise, deux rangées en travail simple et continue ainsi de suite jusqu'à ce que on façonne notre torsade. Alors comme vous voyez, j'ai terminé la rangée, puis j'ai fait une rangée similaire, donc les trois rangées qui composent ma torsade. Maintenant, je vais reprendre la première rangée de la torsade. Et tout au long de notre travail sur ce rectangle, ça va être toujours la répétition de ces trois rangées. Première rangée où on croise, puis les deux rangées suivantes où on travaille la torsade simple, en respectant bien sûr la suite qu'on a expliquée pour les points. Alors je vais commencer par la bande sur le côté où je travaille le point en prenant toujours mon fil par en avant. Le fil est toujours devant mon crochet. Puis je passe à la partie point jersey, le fil est derrière et je pique entre les deux barres. Jusqu'à ce qu'on arrive à la partie torsade. Je travaille les quatre premiers points en prenant le fil par en avant. Et 4. Puis je vais travailler la torsade et là je vais croiser, donc je vais avoir besoin de mon crochet classique. Je pique dans la première, dans la deuxième, dans la troisième. Je récupère les trois boucles sur mon crochet classique, je retire mon crochet tunisien, puis je vais aller travailler les trois suivantes sur mon crochet tunisien. 1, 2, 3. Puis je vais récupérer les trois premières qui sont sur le crochet. Donc je vais les passer derrière les trois boucles que je viens de récupérer. Puis je travaille les quatre suivantes en prenant mon fil par devant ou par en avant, pardon. Donc on le met juste devant notre crochet avant de piquer sous la barre. On travaille la partie point jersey et on termine avec la bande sur le côté. Et le dernier point, je pique sous les deux brins sur le côté et je tire, puis je repars donc sur le retour, un jeté, je passe à travers une boucle, un jeté, je passe à travers deux boucles et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine. Une fois que je termine cette rangée, je reprends les deux rangées suivantes en travaillant deux rangées simples. Donc je vais tout simplement piquer dans toutes les mailles de la torsade une après l'autre. Je ne vais pas avoir besoin de croiser. Je répète deux rangées, puis je reprends une nouvelle fois la série de répétitions, c'est-à-dire une première rangée où je croise et deux rangées simples. Et donc on continue ainsi jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur voulue pour notre travail. Si j'arrive à la torsade, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Alors quand je vais commencer la rangée suivante, je vais travailler une après l'autre sans croiser, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je ferai la même chose pour la rangée suivante. Et comme j'ai dit, je vais continuer toujours à répéter les mêmes
trois rangées jusqu'à ce que j'arrive à la hauteur voulue. Alors, je vais terminer cette rangée. Comme vous voyez, j'ai terminé ici avec les deux dernières rangées où je croise pas. Donc, j'ai terminé toute la série. J'ai fait les trois rangées une après l'autre. Et pour la dernière rangée, je vais vous montrer comment faire la finition. Donc, comment terminer votre dernière rangée avant de couper votre fil et commencer à travailler la deuxième partie ou la deuxième pièce de votre projet qui va être le deuxième rectangle du dos. Alors, lorsque vous arrivez à la hauteur voulue, on va tout simplement terminer avec une rangée de mailles coulées. Vous allez prendre la première maille ici. Donc, comme j'ai dit, on ne travaille jamais sous la barre. On va à la barre suivante, sous le crochet. Donc, la barre suivante, je pique entre les deux brins, donc ou les deux barres, la première, la deuxième, en haut, en bas. Je pique, je tire et je passe la boucle à travers la boucle du crochet. Je passe à la maille suivante, je fais la même chose. Et je vais faire ça pour toutes les mailles de ma rangée. Alors, vous voyez ici, j'ai deux brins ici sur le devant qui me servent premièrement d'une finition et ça va me faciliter aussi la couture lorsque je vais vouloir coudre le haut ou les épaules ensemble et commencer le col. Donc, tout simplement, je continue à faire des mailles coulées. Je pique, je tire. Donc, ici, je ne change pas de technique, quel que soit le point où je suis arrivée. Je pique toujours entre les deux barres et je tire. Alors, comme vous voyez, j'ai continué. Si j'arrive à la fin de ma rangée, je suis à la dernière maille. Alors, comme ce que j'ai fait pour les autres rangées, je pique sous les deux bras sur le côté. Je tire, puis je passe la boucle à travers la boucle sur mon crochet. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Et vous aurez terminé donc la première partie de votre travail, qui est donc le devant, la partie avec la torsade. Pour la deuxième partie, c'est plus facile à faire. On n'a pas de motif à tracer. On va juste travailler en point gercé et en gardant toujours les deux bandes sur le côté. Donc, je vais toujours garder les 6 mailles de chaque côté pour moi. Donc, vous pouvez, ou le nombre de mailles que vous avez décidé d'avoir pour votre bande. Et tout le reste, je vais le travailler en point gercé. Alors, je vais quand même faire avec vous le début du rectangle du dos, même si c'est la même chose en fait. Si vous avez déjà maîtrisé la technique, vous allez voir la partie du dos est plus simple. C'est le même point, on n'a pas de calcul à faire ni de torsade à faire. Et on garde toujours le même nombre de rangées pour la bande, le même nombre de rangées lorsqu'on travaille la longueur de notre rectangle. Alors, je commence avec vous, puis je vous laisse terminer vos deux rectangles avant de passer à l'étape suivante du projet. Alors maintenant, pour le rectangle du dos, après avoir terminé votre bande, on va commencer par la même rangée que le rectangle qu'on a fait au début. Donc, on va commencer d'abord par prendre une boucle sur chaque rangée pour faire une rangée simple, donc un point classique pour commencer. On n'a pas ici besoin ni de compter, ni de changer de point. On fait la même chose. Sur chaque rangée, on prend une boucle qui va représenter la maille qu'on va travailler pour la rangée suivante. Une fois arrivé, on va commencer le retour. Toujours un jeté, on passe à travers deux boucles. Puis un jeté, on passe à travers deux boucles jusqu'à ce qu'on termine toutes les boucles sur notre crochet. Alors, je termine la rangée, je fais l'aller-retour et je vous retrouve tout de suite après. Une fois qu'on a terminé cette rangée de base, on va maintenant commencer la rangée qu'on va répéter tout au long de notre rectangle. Le seul changement dans le point sera sur les bandes. Sinon, tout le centre ici va être travaillé en point gercé, comme on l'a expliqué. On travaille la bande exactement comme on a fait pour le premier rectangle, avec le même nombre de mailles qu'on a choisi. Donc, moi, j'avais commencé avec 6.
je vais garder 6, incluant la première boucle qui était déjà sur mon crochet. Puis tout le reste, ici au centre, je vais le travailler en point jersey. Donc je vais toujours insérer mon crochet au milieu des deux barres. Et je tire, je garde la boucle. Quand j'arrive à mon marqueur, je vais changer le point pour travailler les 6 dernières mailles qui sont ma bande sur le côté gauche. Donc, comme j'ai dit, ce rectangle est facile à faire, plus rapide aussi que le premier, vu qu'il n'y a pas de motif. On a gardé un point simple. Et la torsade, donc généralement, on la garde pour le rectangle devant. En arrière, je garde un point simple. Une fois que j'arrive donc à mon marqueur, je travaille le point que j'ai choisi pour travailler les bandes du côté. Je ramène mon fil en avant, je pique, je fais un jeté, je tire et je fais ça pour le reste des mailles jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille. Et pour la toute dernière maille, je pique sous les deux brins du côté et je tire. Puis je commence le retour, un jeté, je passe à travers une boucle, un jeté, je passe à travers deux boucles, et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine toute ma rangée. Puis je reprends le travail exactement de la même manière, donc c'est la même rangée que je vais répéter. Lorsque j'arrive à la fin, donc lorsque je termine mes rangées, exactement le même nombre de rangées que j'ai faites pour le premier rectangle, je fais la même finition pour la fin, donc les mailles coulées pour terminer. Alors une fois qu'on a terminé les deux rectangles, on peut passer à l'étape suivante. Alors une fois que vous avez terminé vos deux rectangles, on va passer donc à l'étape de la couture au niveau des épaules. J'ai mis, comme vous avez vu, un rectangle sur l'autre. Le devant va être à l'intérieur, donc je vais faire la couture à l'intérieur. J'ai toujours le derrière ou le dos de mes rectangles vers moi et vers la table. J'ai placé mes marqueurs sur l'ouverture du col, donc ça va dépendre de la taille que vous travaillez. Généralement pour un adulte, je laisse 22 cm d'ouverture. Je vais prendre mon crochet classique et je vais faire la couture avec des mailles coulées en prenant toujours les brins des mailles coulées que j'ai faites en fin de travail. Donc vous voyez ici les deux brins qui sont devant, c'est au niveau de ces deux brins que je vais travailler les mailles coulées. Donc je vais piquer dans la première ici, puis celle de devant. Je prends mon fil, je fais une boucle de départ, je l'accroche à mon crochet, puis je tire à travers les mailles, une maille en l'air. Et je fais ça donc pour toutes les mailles. Donc je passe à la maille suivante. Je vais prendre uniquement les deux brins de la maille coulée et les deux brins sur le rectangle suivant. Je fais une maille coulée. Je fais la même chose pour la maille suivante. Et je vais continuer ainsi jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur. Une fois que j'arrive à mon marqueur, je fais une maille en l'air pour sécuriser, je coupe et je refais la même chose de l'autre côté, donc sur l'autre épaule. Alors je vais terminer cette partie ou cette étape et je vous retrouve par la suite pour faire le col ensemble et aussi expliquer tout ce qu'on peut faire sur le côté pour celles qui veulent le coudre pour le fermer, qui ont travaillé un gilet ou un gilet ouvert, ou si c'est un poncho. Donc il y a différentes manières de le faire selon votre goût, selon ce qui est facile aussi pour vous. Alors une fois que vous avez terminé la couture au niveau des épaules,
Donc maintenant, pour le col, si vous voulez le garder comme ça, c'est correct. Donc ça va être selon votre goût, si vous n'aimez pas les cols. Sinon, pour celles qui veulent ajouter un col, on va commencer par insérer notre crochet. Donc on prend là ici un crochet classique. J'ai pris le 4.5 qui était adapté à la grosseur de laine que j'ai choisie. Je vais l'insérer sur les brins de la rangée des mailles coulées. Donc on avait terminé avec une rangée de mailles coulées. Je l'insère au niveau ici des brins de la maille coulée sur le côté. Je prends mon fil, je fais ma boucle de départ, puis j'insère mon crochet dans la boucle. Je tire et je monte avec 3 mailles en l'air. Je passe à la maille suivante, toujours sous les deux brins de la maille coulée. Je fais une bride, donc je fais un jeté, je pique sous les deux brins. Je tire et je fais une bride. Jeté, je passe à la maille suivante et je fais la même chose. Alors je vais faire un tour de bride. Je continue sur ce côté jusqu'à ce que j'arrive ici au bout. Je fais une bride sur le côté, sur la partie qui va joindre les deux rectangles. Puis je reprends sur le rectangle du devant jusqu'à ce que j'arrive. Une fois que j'arrive, je vais joindre et je vais repartir avec une autre rangée, mais je vais travailler cette fois en alternance une bride par en avant, une bride par en arrière pour créer cet effet élastique du col. Alors j'ai terminé mon premier tour de bride. Je suis arrivée aux 3 mailles en l'air que j'ai faites au début. Donc je vais joindre avec la troisième maille, avec une maille coulée. Je monte avec 3 mailles en l'air. Et là, je vais alterner. Donc comme j'ai dit, je vais travailler une bride avant, une bride arrière. Je fais un jeté. Je pique sous la bride. Donc la bride est sur mon crochet. Je tire et je réalise ma première bride. La bride suivante, je fais un jeté et là, la bride sera sous le crochet. Donc je pique de cette manière pour avoir la bride sous le crochet. Je tire et je fais ma bride. Maintenant, la bride est sur le crochet. La bride est sous le crochet. Je vais alterner. Donc je fais une bride par en avant, une bride par en arrière, jusqu'à ce que je termine le tour. Je joins avec la troisième maille des 3 mailles en l'air. Puis, donc vous pouvez répéter la rangée selon la hauteur que vous voulez de votre col. Si vous voulez un col roulé, vous allez doubler et le plier. Sinon, vous allez faire un col simple. Donc vous pouvez garder deux rangées, trois rangées, ça dépend de la hauteur que vous désirez de votre col. Si vous avez choisi bien sûr de faire un col, parce que vous pouvez garder le poncho ou le gilet sans cette étape, donc sans faire le col. Alors je vais continuer à alterner une bride par en avant, une bride par en arrière jusqu'à ce que je termine. Puis je vous retrouve pour vous montrer le résultat final du col et je vous explique par la suite pour celles qui ont choisi de faire un gilet si elles veulent ajouter sur les côtés une petite bande avec des boutons pour l'attacher. Sinon, pour celles qui ont choisi un poncho et qui veulent le laisser ouvert, donc c'est selon votre choix et votre goût. Je termine le col et je vous reviens tout de suite. Alors une fois que vous avez terminé le col, donc comme vous voyez ici, j'ai fait 3 rangées pour mon col. Vous pouvez bien sûr faire un col plus haut ou tout simplement garder l'ouverture sans col, dépendamment de ce que vous préférez. Alors maintenant, pour le reste du travail, vous pouvez tout simplement le garder, garder votre gilet ou poncho ouvert de cette manière. Ça se portera sur le style d'un poncho. Ou donc choisir l'une des 3 façons que je vais vous proposer. Ici, je les ai mises toutes les 3 en même temps. C'est pas joli à voir, mais vous allez avoir une seule à choisir. Donc vous pouvez tout simplement coudre des boutons et fermer au niveau de la bande que vous avez fait sur les côtés.
un ou deux boutons, ça dépend de la taille que vous avez travaillé, ou crocheter une bande comme celle-ci, puis l'attacher à un bouton sur le haut de votre gilet. Alors cette méthode vous permettra de gagner un petit peu en largeur, vu que la bande vous donne plus de largeur pour votre gilet ou poncho. Ou crocheter deux bandes, une de chaque côté, puis faire un nœud pour fermer le côté, donc garder un style un petit peu différent. Selon la méthode que vous allez choisir, donc si c'est des boutons, vous allez coudre vos boutons à ce niveau, comme ça vous allez fermer avec la bande du haut sur le côté. Si vous choisissez donc l'une des deux autres méthodes, ou bien vous faites les deux bandes avec que vous allez attacher, donc vous choisissez la maille qui est exactement à la moitié de la hauteur de votre gilet. Vous commencez par faire des mailles en l'air, donc une chaînette qui va être assez longue pour vous permettre de faire un nœud. Alors une fois qu'elle est assez longue, vous allez sur la deuxième maille à partir de votre crochet, 1, 2, et vous faites une maille serrée. Puis vous faites une maille serrée sur chacune des mailles suivantes. Alors vous allez bien sûr faire une chaînette assez longue. Je suggère 25 à 30 cm, comme ça vous allez avoir assez de centimètres pour pouvoir faire un joli nœud. Alors une fois que vous arrivez à la dernière maille, vous allez sur la maille à côté, donc ici c'est la première maille, vous avez attaché votre fil, la maille d'à côté, vous faites une maille coulée, une maille en l'air, et vous coupez le fil. Et vous allez faire la même chose sur la partie du haut, exactement la maille du centre, et vous commencez par votre chaînette, puis la rangée de mailles serrées. Si vous choisissez la deuxième méthode, donc la bande que vous allez attacher, et comme j'ai dit, c'est une méthode ou c'est une technique qui va vous permettre de gagner plus de centimètres en largeur. Même chose, vous allez à la moitié de votre gilet, insérer votre crochet. Je fais un nœud, une boucle de départ, je tire, une maille en l'air, je reviens à la même maille, je fais une maille serrée, puis une maille serrée dans la maille d'à côté, dans la maille d'après, puis dans la maille d'après. Alors j'ai choisi de faire une bande large de 4 mailles. Vous pouvez choisir d'avoir une bande encore plus large. Pour moi, 4 mailles, c'était suffisant. Une maille en l'air, vous tournez. Et vous repartez une maille serrée sur chacune des mailles. Une maille en l'air, on tourne et on repart une maille serrée sur chacune des mailles. Alors une fois que votre bande est assez longue pour pouvoir être attachée au rectangle du devant, vous allez faire une avant-dernière rangée où vous allez laisser la partie où vous allez attacher votre bouton. Donc je fais une maille en l'air, là vers la fin. Première maille serrée dans la première maille. 1, 2, 2 mailles en l'air. Je saute les deux mailles suivantes et je fais une maille serrée dans la dernière. Donc ça va me permettre d'avoir une sortie ou un trou pour attacher mon bouton. Une maille en l'air. Je tourne. Une maille serrée dans la première. Sur les deux mailles en l'air ici dans l'espace, je fais maille serrée, première, une deuxième maille serrée, puis une dernière sur la dernière maille serrée. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Alors bien sûr, votre bande sera assez longue pour pouvoir s'attacher sur le devant. Donc votre bouton, vous allez le coudre exactement sur le rectangle du devant, exactement au centre, pour pouvoir l'attacher. Alors comme je vous ai dit, ici j'ai fait les trois méthodes en même temps. C'est pas joli à voir quand ils sont les trois ensemble,
Mais à vous de choisir la méthode qui vous plaît ou tout simplement le garder ouvert, le porter comme un style poncho si vous avez choisi de le faire assez large pour être porté comme un poncho. Alors voilà, j'espère que les explications vous ont plu, que ça vous donne que ça vous inspire pour vos projets à venir. J'ai essayé de vous expliquer au mieux le crochet tunisien. C'est une technique que j'apprécie énormément. Ça me rapproche beaucoup du tricot. Ça donne aussi des mailles assez serrées. Donc n'hésitez pas à tirer un petit peu sur votre projet à la fin. Donc c'est comme du tricot finalement. C'est pas comme du crochet. Ça laisse pas des mailles très très larges. Vous pouvez utiliser la technique pour créer des projets que vous désirez. Donc toujours dans mes tutoriels, j'ai le souci de vous expliquer plus la technique que le modèle en lui-même, parce que si vous maîtrisez un petit peu la technique, vous pouvez modifier le modèle comme vous désirez. Vous pouvez ajouter des choses, modifier des choses, l'adapter selon votre goût. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne envie de l'essayer. N'hésitez pas à communiquer avec nous sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le groupe Facebook ou la page Instagram, pour partager avec nous vos commentaires, vos suggestions et surtout les photos de vos réalisations. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous allez toujours recevoir les nouveautés Atelier LJJ. C'est aussi une manière de nous encourager à continuer. Donc excusez ma voix tout au long du tutoriel. J'ai essayé d'attendre que ça aille mieux, mais c'est une grosse grippe qui dure plusieurs jours. Alors je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre tutoriel. Je vous dis à bientôt et bon crochet à toutes.